Bonjour David. Elles sont belles vos vaches. Salut les enfants. Oui, elles sont belles. Elles sont en pleine forme. Salut mon bel hier. C'est comme toi en classe, tous tes copains, et quand ils sont différents, bah les vaches c'est pareil. C'est les taches aussi. La forme, les taches, ta tête, ta mamelle, les... Les cornes elles sont toutes petites. C'est différent, voilà, ouais. Ça c'est la plus vieille celle-là, ça s'appelle Tegen. Tegen. Elle a des rides là par terre. Du coup, elles se nourrissent pas de l'herbe qu'il y a par terre. Si en fait elles mangent l'herbe, là elles ont mangé aujourd'hui, donc on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup d'herbe. Si on regarde à l'autre bout du champ, on voit que l'herbe est plus haute. C'est de l'herbe d'une prairie naturelle, c'est composé de plein d'espèces. Il y a au moins 30 espèces différentes dans cette herbe. Elles en mangent beaucoup, 85 kg par vache, par jour. À la ferme, on leur donne un petit peu autre chose, c'est des granulés, c'est un mélange de céréales. On leur donne 2 kg par vache. Ça donne du bon lait du coup? Ouais, c'est top. C'est ça. On va passer à la traite? Ouais, on les ramène? Ouais. Eh ben allez. Allez, venez. Allez, venez, venez, venez. Allez, allez, allez. Venez, venez. Il faudrait pas attendre trop longtemps, là elles n'ont pas forcément besoin immédiatement, mais si tu les laisses un jour sans traire, après ça peut être plus après. La mamelle. Ouais. Là j'ai lancé la brume, c'est pour cette eau qui est vaporisée, c'est pour chasser les mouches. Elle est belle là, oui. Elle est très bonne idée. On enlève les griffes. On ouvre les portes pour qu'elles puissent rentrer. Quand elles entrent, là il y a un bouclage, elles passent là, le collier est détecté. Alors quand on ouvre, la première qui passe, ça s'affiche au premier cadran. La deuxième, elle s'affiche au deuxième. Il y en a 8, donc la 8e, elle est là. Il y en a une qui a 6 crayons. Donc ça, ça ressemble à de la paille, c'est quoi? Oui, mais ça s'appelle de la paille, mais c'est du bois, c'est de la paille de bois. On utilise ça, c'est pour nettoyer les crayons sans le mouiller. Ça ressemble bien à ce qu'il y a à l'intérieur du bois. La couleur est différente. Si on mouille le crayon, on a toujours un peu d'humidité qui reste, puis après ça descend le long du crayon, puis ça part dans le lait. Et là, si on mouille pas, eh ben, il n'y a rien qui part. Ça me rappelle l'odeur du chalet à la montagne. Oui, c'est ça. Alors, l'étape du lait, c'est que d'abord, bien sûr, on le trait, on passe par un tuyau, il fait beaucoup de tuyaux, et il arrive dans un tank, c'est une grosse cuve en métal, et après, le soir même, il y a un fromager, le transporteur, qui vient chercher le lait, qui le branche à un tuyau. Et surtout, ce qu'il faut retenir, et je dis ça à tous les fromagers, c'est que le lait, après la traite, il faut 24 heures pour qu'il soit consommé. Et après, il est plus bon, on doit le jeter. Je vais vous montrer comment on fait pour les brancher, une fois qu'elles sont préparées. Voilà, on va le couler là, ça part dans le tuyau et ça va là, dans un gros tuyau. Son prénom alors c'est Lumière, comme vous voyez au-dessus. Sous c'est 14,47, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait pratiquement 1 litre de plus de ce qu'elle devrait faire. Et ça a pris 4 minutes 43. Oh la vache. C'est super. Et puis c'est très varié comme boulot. En fait, tu vas être en contact avec les animaux,
Des fois, tu vas faire ta gestion parce que c'est aussi une entreprise. Des fois, il faut savoir s'occuper du sol, du jardiner. Des fois, il faut savoir faire des soins aux animaux. Très, très varié. Tous les jours, c'est différent. Merci tout le monde.